Donc maintenant que Ibis a pris son bain, nous allons passer à l'épreuve du séchage. Alors pour le séchage, j'utilise donc sa serviette de toilette. Et vous voyez, sur la serviette de toilette, j'ai posé la récompense pour après le séchage. Est-ce que c'est une épreuve? Maintenant, voilà son ennemi, le séchoir. Voilà. Donc, il va falloir sécher Ibis doucement. Voilà. Parce que c'est pas vraiment ce qu'elle préfère. Donc, vous le mettez assez loin. Voilà. Assez loin, comme ça. Voilà. Il va falloir vous armer de patience parce qu'en ayant le séchoir assez loin, c'est une épreuve. Vous voyez qu'elle n'aime pas du tout ça. Donc je vais abréger pour la vidéo. Lorsque vous constatez qu'elle est presque finie d'être séchée, voilà, elle va se sauver. Donc je suis une abrévis, mais je suis obligée de te rattraper. Vous avez vu que j'ai enlevé le collier pour bien nettoyer autour du cou. Voilà, un petit câlin. Voilà, évidemment là, Ibis devrait être presque sèche. Hein. Mais bon, comme je veux que ma vidéo soit réussie, j'ai arrêté de passer le séchoir. Voilà, le sèche-cheveux, pardon, pas le séchoir, le sèche-cheveux. Voilà, donc pour finir, je prends, d'abord je mets la récompense. Voilà, la récompense est visible. Je prends la serviette. Oui. Alors, et je vais frotter. Voilà. Je frotte bien partout. Là, surtout, bien insister au niveau des oreilles. Parce que c'est là que ça sèche le moins vite. Et lorsque les oreilles seront presque sèches, à ce moment-là, il faudra les coiffer. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à bien frotter avec la serviette. Regardez. Voilà. C'est un gentil petit chien. Bien. Évidemment, non. N'ayez pas peur, ça ne fait pas du tout mal à Ibis lorsque je la... Je la tourne, il n'y a pas de problème. Ça a l'air assez rude, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, vous n'oublierez pas de nettoyer en dessous le ventre, bien séché en dessous le ventre, entre les pattes et la queue. Voilà. Nous dirons que Ibis est sèche à 60 à 70%. Elle va finir de sécher toute seule dans l'appartement parce qu'il fait quand même assez chaud. Donc c'est pas un problème. Et surtout, voilà. Voilà, ça c'est le meilleur moment. Donc voilà. Ibis est toute belle. Jusqu'au prochain bain. À bientôt.